Bonjour à tous, ici Demon et bienvenue dans l'épisode 19 de Final Fantasy XIII, saison 3 de Demon Passé Rattrapage. Et j'ai coupé une heure encore une fois parce que on rencontre un boss dans cette vidéo et j'ai échoué pendant une heure sur ce boss, donc je pensais que c'était pas très intéressant et on va reprendre tout simplement la partie d'avant et essayer de faire mieux. Donc il faut que je fasse du Crystarium, faudrait que je trouve la bonne stratégie, je sais pas encore quelle est la bonne stratégie. Voilà. Écoutez, on va essayer ça tous ensemble. Donc là, Lightning, je lui fais monter des trucs, mais je m'en bats un peu les couilles parce que c'est pas elle qui va jouer. Par contre, c'est Snow qui va jouer en personnage principal parce que c'est celui qui a le plus de vie. Et vous allez voir que c'est pas du luxe. Alors, attaquant, on est maxé. Défenseur, on est maxé. Il faudrait du soin, en fait. Quoi, ça coûte 3000? C'est une blague. Bah, du coup, c'est clair que non. Du coup, on va lui augmenter ses ravages. Surtout ses PV, en fait. Et sa force. Et sa force. Ça, c'est quoi? Augmente le taux de dégâts, d'attaque. Tout ça, on s'en bat les couilles. Ensuite, Vanille va être importante aussi. Alors, est-ce que Vanille peut apprendre lenteur? Parce que ça va être important. À quel moment elle apprend lenteur dans sa vie de saboteur? Trop loin. Hein. Attends, juste pour se marrer. Hein. Elle apprend jamais lenteur. Ah ouais. Ou alors je l'ai laissé passer quelques stades avant. Alors, on va remonter. Vous savez que c'est très drôle de remonter le long des arbres de Crystarium. Ça, c'est bon, hein, ouais. Ah ouais, donc elle apprend pas lenteur. Bon. Ravage, elle est maxée. Soin, elle est maxée. C'est juste que l'IA est nulle à chier. Hein. C'est un peu ce qui m'a fait rager la dernière fois. Enfin, lors de mes trails précédents, quoi. Par contre, là, on peut lui apprendre à avoir des accessoires supplémentaires. Ça, c'est cool. Du coup, je me demande si par hasard, on pourrait pas... On va voir. Hop. Toi, en soigneur, t'es maxé. Ouais. En tacticien, qu'est-ce que tu pourrais apprendre de plus qui soit intéressant? Ça, c'est pas mal, voile, mais sauf qu'il va l'enlever. Oui, parce que le personnage qu'on va affronter fait des debuffs. Voilà. Écoute, fais ce qu'il te plaît. Alors, ravageur, il est maxé. Merde. Hop, soigneur, il est maxé. Bon, bah, tacticien, de toute façon. Attends, on a laissé un truc de côté, là, c'est quoi? Anti-foudre. Écoute, notre adversaire n'utilise pas de foudre, mais apprenez-le, on sait jamais. De toute façon, là, on va pas apprendre grand-chose de plus intéressant. Si, PV, peut-être. Magie, ça m'étonnerait. Non, ouais. On sase. Honnêtement, tu vas pas jouer, là, donc... À moins que... Tacticien, célérité. Apprends-toi ça. On récupère les PV, là. Hop. Et bénédiction, ça fait quoi? Permet de prolonger la durée des effets bénéfiques. Ouais. Et alors, toi, Fang, toi, tu en défenseur, c'est bon, tu es maxé. Attaquant, c'est bon, tu es maxé. Et donc, du coup, toi, t'es saboteur aussi. Tu peux apprendre lenteur 2. Donc, t'es la seule à infliger lenteur. Hein. C'est ce qu'on avait vu. Parce que notre ennemi est susceptible. Est susceptible. Et sensible à la... À la lenteur. Il lui est possible d'être lent. Je sais pas encore. C'est encore très vague pour moi ce qu'il faut faire. En tout cas, Lightning, toi tu as 4435 PV, c'est pas assez. Est-ce que par exemple, on pourrait pas t'enlever ton bracelet de fer? Enlever. On peut pas l'enlever juste, genre sans le remplacer. Bon, mets-toi ça pour le moment.
Et toi, si je te donne bracelet de fer, tu montes à 1670. Est-ce que c'est assez? Je sais pas. On va t'en têter de... Têter. On va têter Fang. Ce qu'il faudrait, bien évidemment, c'est que... mon personnage actif, personnage principal, ait le plus de PV possible. 1720. Ça commence à être pas mal. Et du coup, je mettrais bien Hope et Vanille en... Et du coup, toi, est-ce que tu pourrais pas prendre ça à PV plus 100? Comme ça, tu mourrais moins aussi. Toi, t'as déjà PV plus 50, dernier rempart. Du coup, mon truc, ça serait de dire... Fang, je te mets en attaquant, et je mets Hope et Vanille. Du coup, je te mets attaquant, ravageur, ravageur. Attaquant, ravageur... Et Vanille en soigneur parce que c'est elle qui a vie. Attaquant, soigneur, soigneur. Et on pourrait se mettre saboteur, ravageur, soigneur. Histoire de lui mettre de la lente. Ça c'est pour lui mettre de la lenteur. Est-ce qu'on n'essayerait pas comme ça? Bon, vous en savez rien. Parce que vous n'avez même pas vu encore la gueule du boss. Donc là, je vais vous mettre la cinématique. Et je vais me taire pendant la cinématique parce que j'ai déjà réagi lors de la du premier enregistrement, mais j'ai tout supprimé parce que me voir rager pendant une heure sur le même boss, c'est chiant. Reigns? What? Oh, easy guys. It's all right. Reigns is a sanctum officer. He's been helping us out. Why are you here? Reigns, you traitor! I put you on the path. That was my focus. What? You're a Lassie? Since long before we met. I did my best to assist you, as bid by the Sanctum Falci. Now do you understand? The Falci have watched over you, guiding your every step. The luck that saved you time and again was a deliberate machination. Why, you may ask? The Primarch, or should I say, Bartandilus, is crafting you into the instruments of Cocoon's demise. We've been played for fools. A Cocoon Falci? Why? Why? To restore the Maker. The Maker? The entity responsible for creating both humans and Falci. Long ago, the Maker departed this world, leaving the two races behind. In a sense, human and Falci are brothers, orphaned by the same parent. As for the humans, they forgot the order imposed by the Maker. They began to war amongst themselves for the first time in history. The Falci focused on recalling their lost deity and returning the world to its former glory. This purpose lies at the heart of all their actions. Calling back the Maker requires a fitting sacrifice. Yeah, we've heard. The destruction of Cocoon. The lives of this world's entire populace. In bloody tribute. No. That's crazy talk. I don't get it. Why do they need us? Couldn't the Falci end Cocoon with just a thought? Their existence is bound to the creation and maintenance of this floating shell. It is their very nature that holds them in check. You mean Cocoon Falci can't destroy Cocoon? They needed tools. If we can stop this by doing nothing... we'll do nothing. Noble. I expected as much.
lied to us. What happened to your dream of rebuilding Cocoon for the people? Was it all a lie? A shadow of a dream from when I was human. It was change I craved. And once I'd built the influence to make things happen, there was change. I gained all the power I could hope for, but was a puppet with no will to wield it. It wasn't the Falci who changed. It was me. You were made a Lassi? A Lassi, tied to an inescapable focus, a slave of destiny. I'd lost hope. I'd all but given up on dreams of freedom. What are you saying? I'm here of my own accord, not by Falci order. Seeing you fight brought it all back. Brought back that future I once strove for. I, too, will challenge my fate. Easy, guys. If I can defeat you here, the Falci plan will fail. Brains! I will use all my remaining power. I will set you free! Ah, merci. Est-ce que tu pourrais juste nous laisser passer, et puis nous on fait rien, et puis et puis voilà, on s'en tient là. On se fait une bouffe. Damn it, Brains. Allez! C'est parti pour le combat et vous allez comprendre pourquoi ça m'a bien vénère. Donc là, il vient se battre direct, donc il faut qu'on se mette en position de soin. Alors quand il te frappe, t'es stunlock dans les airs hyper longtemps. Regarde ça. Et en plus, le problème c'est que les IA savent pas soigner. Là, il fallait faire full hope. Voilà. Genre, typiquement, la fois d'avant, j'ai ragé parce que j'étais en train de me faire tabasser, et eux, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de s'enlever les poisons de leur gueule. Genre, je respecte pas mes alliés, je tape. Enfin, je m'occupe de ma gueule. Alors, essayons de lui foutre un peu de lenteur. Lenteur, lenteur, lenteur. Bam, bam, bam. Lenteur, lenteur, lenteur. Bam, bam, bam. Et maintenant, on continue à se battre. On va essayer de lui mettre de la lenteur, parce qu'on sait qu'il y est sensible. Et de le mettre en état de choc, parce que là, on peut au moins commencer à lui faire des dégâts une fois qu'il est en état de choc. Parce que sinon, il est quand même assez tanké. Surtout que là, il s'est pas encore mis en position de protection, mais ça va venir. Bon là, vous voyez, par exemple, déjà, je commence à me faire tabouincher, les heals ont du mal à suivre. Hein. Allez, paf, paf, paf. Donc là, en plus, il se fout des heals de bâtard, on peut le dire. Essayons de passer en assaut furieux. Donc là, la caméra, elle est complètement aux fraises parce qu'on est hyper loin les uns des autres. Mais tant mieux, parce que au moins, les attaques de zone de l'autre enculé ne nous toucheront pas tous. Il passe à l'offensive, donc on se remet avec un heal. Donc là, il est reparti tout là-bas. Allez, tu vois, par exemple, là, pourquoi tu me heal moi alors que c'est Hope qui est déguste? Économise à tes heals. Enfin, l'intelligence artificielle des healers est vraiment aux fraises, quoi. Et ça te fait perdre des combats pour de la merde parce que les algorithmes qu'ils ont décidé... Enfin, si tu pouvais choisir, comme dans le 12, avec le système des gambits, tu pouvais choisir les stratégies de heal et tout, là, oui. Mais en l'occurrence, ce n'est pas possible, donc... Allez, tabassez-le, soigne-nous. Non, mais qu'est-ce que... C'est pas ça que je voulais faire du tout. Qu'est-ce que je fais, là? Je suis en double heal. Ah, mais je fais n'importe quoi. Allez, lenteur, lenteur, lenteur. On essaie de le lenteurer. Voilà, il est lenteur. Donc là, maintenant, il va taper moins vite. Jusqu'à ce qu'il s'enlève l'altération, parce qu'il se l'enlève au bout d'un moment. Mais pour le moment, il tape moins vite, donc nous, on va pouvoir keep up avec les heals.
Et ça devrait nous permettre de... Voilà, il commence direct à se métamorphoser. Donc là, hop, il passe en mode Four Winged Angel. Il passe en mode Lueur Divine. Donc là, c'est là où il nous fait hyper mal à tous et où il faut que les soins assurent. Mais sauf que les soins assurent pas forcément. Bon, en l'occurrence, ça va. On peut repasser en polyvalence parce qu'on a besoin que d'un healer. Il n'y a qu'une seule personne qui est blessée. Est-ce qu'on pourrait pas lui remettre de la lenteur? Parce que là, il se l'est retiré. Il s'est même boosté le chrono. Donc, il faudrait que je mette lenteur. Voilà, on supprimait le chrono. C'est déjà ça. Allez, soin. Moi, je lui mets lenteur. Parfait. Maintenant, on va taper. Mais le truc, c'est qu'il va bientôt mettre lueur divine. Non, il met pas lueur divine cette fois. Ok, parfait. Un petit peu de heal. Surtout qu'il enchaîne. Là, c'est le moment où il enchaîne, enchaîne. Donc, c'est pas mal qu'on lui ait mis lenteur parce qu'on a le temps de récup un peu entre ces entre deux combos. Hop, on se remet en soin parce que direct, il a changé. Là, on voit que la petite vanille a été mise en stase. Donc, du coup, il faudrait lui faire guérison. Sauf que, oh, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que nous, on est blessés. Donc du coup il fait quoi? Bah il nous soigne. Du coup là il va mourir. Voilà, il meurt. Très bien. Parfait le soin. Putain mais quel enculé. Si je pouvais le contrôler et que je lui disais bah fais guérison sur Vanille peut-être. Pour qu'elle t'aide à soigner. Mais non, voilà, soigne-moi. Et ensuite il va peut-être même me guérir moi parce que j'ai une altération d'état pour prendre plus cher. Bah oui. Voilà, Vanille, on s'en bat les couilles après tout, c'est juste notre île principale. Connard, quoi. Voilà, et puis donc maintenant, on peut se remettre en sécurité de nouveau. Bon, là, il n'y a que des soins, il n'y a pas de guérison à mettre et tout, donc ça peut-être que c'est dans leur corde. Allez, on se heal. Allez, on se met un petit peu de soins. On essaye de faire un petit peu le taf, quoi, un minimum. Est-ce que maintenant on peut se mettre en assaut furieux et essayer de le foutre en choc? Faudrait que je lui mette de la lenteur, mais là il est tellement proche de choc que je vais surtout essayer de le mettre en choc pour pouvoir le stunlock une fois qu'il y est. Voilà, il essaye d'attaquer, très bien. Soigne-nous, gamine. Voilà, il est en choc. Alors, j'aimerais bien que Vanille nous soigne. Vas-y, régénère-toi, c'est pas grave. On va essayer de te stunlock dans les airs. Assaut furieux. Hop. Pourrissez-le avant qu'il se mette en protection. Tant pis, je prends les dégâts. Pourrissez-le! Soigne-moi. Parfait, on a perdu tout le temps du choc. Catapultage. Parfait. Paf. Soin. Allez. Peut-être qu'on pourrait l'attaquer un petit peu. Oui, on l'attaque. Et voilà, il s'est remis en protection. Du coup, maintenant, il prend plus de dégâts. Parfait. Non, pas sécurité, je m'en bats les couilles. Créativité. Vous me pétez les burnes, sérieusement. Système à la con. Allez, lenteur. On essaye de le lenteur. Voilà, soignez-vous. On n'a pas réussi à le mettre en lenteur, c'est pas grave. On le tape. Il se met une barrière. Bon, là, il faut le mettre lenteur parce qu'il a mis le chrono. Lenteur. On surveille, bien évidemment, la barre de choc. Mais bon, avec lenteur, j'ai l'impression que je stabilise la barre de choc. Donc, c'est parfait. On a supprimé le chrono. Est-ce qu'on peut réussir à supprimer à lui mettre une lenteur, tout simplement? Allez, mets une lenteur. On peut y arriver. Il va faire une lueur divine. On le sent bien. Non, il attaque direct. Il a toujours pas de lenteur. Moi, je continue à le lenteurer jusqu'à ce qu'il soit lenteur. Lenteur. Tu veux pas te mettre en lenteur? Ah là, il a l'immunité à la lenteur. D'accord. Bah alors, il faudrait peut-être le dire. Parce que c'est toujours marqué en bas, est sensible à l'altération d'état lenteur. Mais dans les immunités, on voit que, bon, bah, ce n'est plus exactement vrai. Est-ce que quelqu'un peut me guérir, s'il vous plaît? Parce que là, je ne peux pas attaquer. Hein. Voilà, donc là, je ne peux pas attaquer. Fang, est-ce que tu peux me guérir? Parce que sinon, je ne peux pas... Voilà. Merci. Maintenant, je peux soigner Vanille. Pendant ce temps-là, Jean-Michel, il s'est remis toute sa barre de choc à zéro, non? Non, pas encore. Paf. Soignez-vous. Un seul heal.
Allez hop. S au furieux. Bam bam bam. On enchaîne. Paf, paf, paf. On va essayer de remonter sa barre de choc. Attention, préparez-vous, il prépare un sale coup. Lueur du vin, on se met en sécurité. Sécurité x 1000. Allez, alors donc là, par exemple, Vanny, ce serait bien qu'elle mette une vie sur Hope pour le ressusciter et qu'il puisse l'aider pour les soins. Mais non, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire soin. Eh oui, puis des soins de merde, comme ça va bien durer 15 milliards d'années. Allez, fais-moi des soins à moi, ensuite tu fais vie sur Hope, et ensuite on essaie de progresser un petit peu. Allez, tu peux faire vie sur Hope, honnêtement, voilà. C'est bien, comme ça je suis pas obligé d'utiliser une queue de phénix encore une fois. Donc maintenant, Hope, tu tapes avec moi, toi tu soins, voilà. Ça serait pas mal que on arrive à lui foutre de la lenteur. Pour lui supprimer son chrono, voilà. C'est pas mal. Bon, Vanny, tu t'occupes du soin encore. Là, on lui a supprimé son chrono. Moi, je vais essayer de le match un petit peu. Voilà, il y a un petit peu de poison qui a été fait. C'est pas non plus très grave. Et si, évidemment, c'est très grave. Gertrude, elle est en PLS, là. Et voilà, et elle meurt. Et je dois encore claquer une queue de phénix. Putain. Allez. C'est jouable, les enfants. On le DPS à fond. On essaie de monter sa barre de choc. Parce que si on arrive à le mettre en barre de choc, peut-être qu'on pourra le tuer. Sauf s'il arrive à se régénérer 15 milliards de PV parce que vous êtes incapable d'agir comme il faut. Alors, lueur divine, poison, qu'est-ce qu'on fait? Lueur divine, très bien. Sécurité. Soignez-vous. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous soigner, vous avez le droit. Je vous y autorise. Essayez de bien le faire, par contre. Voilà. Allez, on se remet un soin. On essaye de stabiliser. Voilà, on a mis un soin. Ah, il a remis le chrono. On va essayer de le lenteurer. Lenteur. Est-ce que le chrono s'en va? Le chrono ne s'en va pas. Allez, on essaye de lenteurer. On lenteur. Le chrono est parti, oui. Attendez, par contre, remettez-vous avec un heal quand même, parce qu'à mon avis, on va prendre tarif. Voilà, donc là, c'est le moment où il me pète. Alors, essayez de me soigner, histoire que je meure pas. Soignez. Très bien, parfait. Ah, parfait, pas du tout. Ok, essayez de me guérir, de vous guérir. Essayez de soigner, là. J'ai l'impression qu'il est parti pour « je vous en fous plein la gueule ». C'est parfait, normalement on peut gérer. Soignez-moi. Je perds patience. Retournons au point de sauvegarde, voir si on peut acheter des trucs dans des boutiques, tout ça. Est-ce que j'ai toujours les queues de phénix? Oui, j'ai toujours les queues de phénix, ça c'est bon. Ce coup-ci, sur Bartendelus, quand tu utilisais des queues de phénix et que tu mourais, bah tes queues de phénix t'es quand même utilisé. Là non. Pourquoi? Quel putain de sens ça? Je ne sais pas. Non. Attendez. Ah! Ça, c'est quoi? Non, c'est pas ça que je... Non! Casse-toi. Ici, non. Là. Alors, je peux acheter ça, Y a pas un truc anti-stase? J'ai pas de thune aussi. C'est un truc qu'il faut voir, ça. Quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Le filon miraculeux, c'est pareil, hein, ouais. Puis de toute façon, j'ai pas d'argent, donc. J'ai aucune idée de la stratégie.
faisant évoluer ça. Voilà, mon bracelet de fer devient un bracelet d'argent niveau 4. C'est déjà pas mal. 148 PV. Gertrude, là. Ton bâton de guérisseur, c'est toujours de la merde. Est-ce qu'on pourrait pas l'améliorer? Ça va prendre trop de trucs, j'ai pas assez de matériel. Regarde-moi ça, 2625, quoi. Est-ce que j'ai des trucs à démanteler? Oui, j'ai ça. Ok. Est-ce que ça me permet d'améliorer le bâton de guérisseur jusqu'au niveau 7? Non. Qu'est-ce que j'ai à démanteler en termes d'accessoires? Rien, bah oui. Eh bah écoutez, on va acheter de la merde là. Dépensons tout notre argent là-dedans. Puis utilisons-le pour ne pas upgrade le bordel. C'est toujours pas bon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme tactique? Affronter un pack de monstres pour essayer d'avoir 3 points et l'amélioration. Et l'invocation. Genre eux là-bas ils sont nuls à chier. Allez, on essaie de détruire ça rapidement. Pas. Voilà, choc, choc, choc. Pas. Pas. Ça me donne toujours pas l'invocation. Et là, ce combat-là, il y a une bête à... Oh, il y a un behemoth. Non, mais ça, c'est mort. Bon, j'ai peut-être dropé un peu de matériel. Du coup, j'aurais peut-être pas dû rush la fin du niveau précédent. Honnêtement, s'il m'avait heal, c'était ça passait. On va réessayer. On va réessayer comme ça. Rains. En espérant que les heals random passent mieux. Oh là, ma voix part en couille parce que je suis enrhumé. Tout simplement. Allez. Viens-y te battre, enculé. Alors. Le début, normalement, ça passe. Est-ce que je peux réussir à le toucher? Putain, mais il esquive mes attaques aussi. Tu veux que je fasse quoi? Mais regarde, il est tout en train de se déplacer. Je peux pas le toucher. Mais regarde! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Arrête de bouger dans tous les sens. Et il se soigne déjà avec une récupération alors qu'on vient juste de commencer. Bon là il se soigne. On peut réussir à le DPS. Peut-être. Allez, soigne-toi, oui, oui. C'est ça, oui, oui. Fuck you, oui, 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 oui. Soin. You are mine. Hop, je vais lui foutre un petit peu de lenteur dans la bouche. Lenteur. Voilà, il s'est mis en lenteur. Il va taper moins vite. Du coup, on en profite pour le bourriner et en même temps se soigner. Se soigner, j'ai dit. Allez, Vanny, montre-nous tes fesses. Maintenant, ça, tu sais très bien le faire. Alors, il se met en défense. Il met de la protection. Ok. On essaye de bourrer la barre de choc.
le début du combat, normalement, ça se passe. Hein. C'est une fois qu'il est en Four Winged Angel que ça devient compliqué. Attendez, faut que je me mouche. Il passe à l'offensive. Mettez-vous en polyvalence. En salle polyvalente. Vite. The Falsi have no hold over me. Allez, allez, allez. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. Ça va encore se jouer à un poil de cul, de toute façon. Allez, je voulais juste ce petit heal de plus. Voilà, on le bourre pendant qu'il est en protection. La caméra, s'il vous plaît, voilà, très bien. Et ça serait bien qu'on arrive à plus exploiter l'état de choc qu'au combat précédent, à le mettre plus bas en vie. Même si du coup, ça le rend beaucoup plus fou aussi. Il a osé retirer la lenteur. On va la lui remettre. Putain, la caméra qui perd complètement les pédales. Allez, on heal, on heal, on heal, on heal, on heal. Vas-y, Van, heal-nous les fesses. Hop. Le début, ça se passe tranquille. C'est après que ça part en couille. Récupération, il s'est remis de la vie. Assaut furieux. Waouh, il se guérit. Il est beaucoup trop fort. Ça y est, il se met déjà en métamorphose. Waouh. C'est vrai que ça va vite quand même. Allez, sécurité. On balance du heal en Chris. Chris. On se met de la créativité. On lui met lenteur pour lui retirer son truc. Putain, la caméra, s'il te plaît, là. Respecte-toi. Je sais que les Japonais, ils ont du mal avec la caméra 3D, mais quand même. Bon, moi, je suis full HP, donc c'est bon. Ah, mais j'ai 3 points, là. Si seulement j'avais un LC... Un Eidolon avec... avec Fang. Et c'est le choc. Et c'est le choc. Pas. Pas. Allez, allez. On enchaîne. On l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, très bien. Ok. On va essayer de lui en mettre un maximum dans la gueule. J'interromps mes combos histoire de le maintenir en l'air. Il faut pas qu'il se mette en protection. Donc on essaye de faire en sorte qu'il reste le moins longtemps possible au sol. Sauf que si vous pouviez timer un peu mieux vos attaques, ça serait quand même mieux. Mais de toute façon, vous ne savez rien faire. Donc bon. Je ne suis pas surpris. Voilà, il met le poison, c'est pas grave, c'est pas grave. Choc aérien, très bien. Polyvalence, on se soigne. On lui a retiré pas mal de vie, c'est pas mal. Vous avez bien joué, les gamins, pour une fois. Voilà, continuez à vous soigner. On va essayer de faire en sorte de ne pas mourir. Hop, vanille. T'as pas très bien compris le conseil, je crois. Hop. Très bien. Mettons-nous un peu de soin. Vite, 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 la barre de choc. Oui, très bien, très bien. Soigne tout le monde au max, Vanille. Vanille, vas-y, c'est le moment, là, c'est pas trop compliqué. Allez, Vanille. Plus de soins, plus de soins. Allez, Vanille. Allez. Qu'est-ce que tu fous, Vanille, sérieux? Voilà, bon, bah maintenant, on se fout le soin comme des tardes. Allez, full soin, full soin. Tout le monde en vert. On veut tout le monde dans le vert. Il s'est remis de la célérité, on va lui remettre de la lenteur. On ne veut pas de ta célérité à la con. Allez, 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 allez. Glace, c'est très bien. Voilà, c'est pas de célérité, c'est très bien. En plus, j'ai mis lenteur, donc du coup, il n'est pas immunisé contre lenteur. Ah non, il est immunisé contre stase. Oh. C'est que c'est presque le même symbole.
D'accord, donc je peux lui infliger lenteur, ça c'est bon. Allez, soigne-le bien. Ouais, vas-y. Très bien, soigne-le encore un peu plus. Là, notre enculé de Reigns, il est en lenteur, donc il va frapper moins fort. Jusqu'à ce qu'il se re-up. Ok, Vanny. Essaye de mettre guérison sur l'un de nous, histoire qu'on puisse jouer. S'il te plaît, Vanny. Voilà. Maintenant, essaye de guérison sur Hope. Putain de merde, tu sais pas jouer, quoi. Mais il faudrait que je joue Vanny, mais elle a pas de PV, quoi. Ok, nouvelle tactique. Toi. Eh, lenteur, c'est quand même bien pratique. Hein. Mais t'as plus le droit à tout ça. Je peux pas les retirer. Ah, bah si, retirer, voilà. Que tout le monde retire tout ce qu'il a sur lui. Hop, contrôle des équipements. Alors, le truc, c'est qu'on va mettre Vanny en perso principal. Je pense que c'est bien comme ça. Et je vais être soigneur tout le temps. Ah, c'est à garder tout. C'est à tout garder. Parfait. Donc maintenant, juste les équipements, hein. Vanny, tous les PV. Parce que déjà qu'elle en a pas beaucoup, ce serait bien qu'elle en ait un peu plus. Elle est où ça? Là. PV. Très bien. Toi, t'as de la magie. T'as un truc de magie, là. Magie plus 50. Et ça serait quand même pas mal. Il y a deux fois PV 100. PV 100. Très bien. Toi, évidemment, en PV 100. Mais écoute, là, il y a force plus 44. C'est parfait, ça. Force plus 44. Ça, c'est très bien. Et essayons comme ça, on verra bien. Si c'est moi qui fais le soin, peut-être que ça va bien se passer. Sauf que je vais me faire un stunt dès qu'il va m'attaquer, mais... voilà. Et au final, le soin, c'est pas très facile à faire non plus, mais... c'est facile de voir ce qu'il faut faire quand t'es pas soigné. Après, réussir à le sortir dans les bons délais... Alors, on se met direct en polyvalence. Parce qu'il s'est mis en offensive. Voilà, je me soigne. Très bien. On va soigner Fang. Et moi, je fais pas les conneries de soin de... Hop. Allez. Non, pas... Faisons de la créativité. Mets-lui lenteur. Ok, parfait. Il est désormais lent. Il passe à l'offensive. J'arrête pas de changer de stratégie. C'est difficile de suivre ce qui se passe quand t'es healer, hein. C'est pour ça que normalement le personnage principal il est pas censé être healer. Et je me heal. Ah, elle a une voix chelou de près. Ça, c'est de la merde aussi, pourquoi je fais ça? Feu! Allez! On va y arriver! Le problème, c'est que s'il me stase, bah ça va être le même bordel. Il faudra que Hope il comprenne qu'il doit me déstaser.
C'est pas évident. Bah, je vais mourir là. Soigne-moi s'il te plaît. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû switch. Mais non, mais c'est pas jouable. C'est pas faisable de jouer le soigneur. Mais les soigneurs sont nuls à chier aussi, en même temps. Donc, quel dilemme, mais quelle connerie. Écoute, on va se mettre une barrière et puis magie. On va remettre. On va remettre les PV. Elle. Tiens, regarde, j'ai des PV. J'ai des PV pour toi. Ça te fait plaisir ou quoi? Non, attends. Mais on va rejouer Fang. Et on va espérer qu'ils arrivent cette fois à faire le taf. Mais c'est compliqué quand même. Faudrait que j'ai un truc où je sois défenseur avec Fang aussi. Pour pouvoir encaisser l'attaque. Genre là où ils sont double soigneurs, faudrait que je sois défenseur. Ça c'est une bonne idée. Est-ce que je peux pas annuler le combat et revenir déjà? Recommencer. Voilà, on va pas perdre du temps, on va se mettre tout de suite défenseur pour la stratégie de sûreté. C'est ce que j'avais fait quand j'avais essayé avec Snow dans l'épisode qui n'a pas été publié. Ça marchait bien, sauf que Snow n'avait pas lenteur, et puis à un moment je me suis fait péter parce que les mecs savaient pas heal. Parce que reconnaissez que c'est quand même ça. Bah, il pourrait clairement me sauver à chaque fois. Après, si je mettais Hop en tacticien et qu'il faisait des barrières, ça pourrait être intéressant aussi, remarque. Sauf que mes barrières, il les supprime. Damn it, Ray. Attends, est-ce qu'au début, je pourrais pas me mettre en créativité et le lenteurer direct? Là, lenteur, 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 lenteur. Allez, lenteur! Voilà, parfait. Maintenant, on le bourrine. Allez, soigne-toi, Vanny. Tu peux le faire. J'ai compris que c'était pas facile de soigner. Essaye de soigner encore un petit coup. Ouais, mais de toute façon, elle veut pas quand c'est comme ça. Dans cette configuration, elle veut pas trop soigner. Fais ce qu'elle veut, hein. N'empêche que moi, dans le truc de l'IA, j'aurais donné la priorité à vie et ensuite soin et ensuite guérison. Alors que là, c'est soin, guérison, vie, j'ai l'impression. Ça dépend, quoi. Si tu vois qu'il y a un autre heal, t'essayes de le déstaser, par exemple. Tu te dis, bah, il peut peut-être m'aider à heal, quoi. Allez, comme il est lent, on peut se permettre de faire des assauts furieux et de repasser moins souvent en soins. Histoire d'aller un petit peu plus vite. Hop, on lui met de la lenteur, puisqu'il l'a déjà perdu. Pardon. On va essayer de le choquer rapidement. Au final, dans la deuxième... phase... C'est vraiment un truc d'endurance où il faut résister assez longtemps pour le mettre en choc. Évidemment, pile au moment où je switch, il se met à attaquer. Le truc, c'est qu'en étant healer moi-même, je suis pas du tout le combat. C'est impossible de rester concentré sur le Gugus. On te remet ta lenteur, enculé! Voilà.
Allez, on le bourrine. On a presque réussi à le faire passer en choc avant qu'il se métamorphose. Écoute. Pour le moment, on va le bourrer. C'est vrai qu'il a plus la lenteur, mais... Voilà, là, il se met en offensive, donc du coup, il va faire mal. Donc, on peut avoir un soin. Et on va se mettre en lenteur. Lenteur, 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 lenteur. Allez, plein de lenteur. Très bien. Maintenant qu'il est lent, on peut le bourriner. Allez, 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 on peut le bourriner. Il se métamorphose. Donc là, il va perdre la lenteur direct. Il va même se mettre en mode renouveau. Et donc là, ce qu'il faut, c'est... Tac. Eh, viens ici. Ah mais non, en fait, c'est bon. Hein. Sauf que là, il s'est mis la célérité, donc il faut l'enlever rapidement. Parce que sinon, il te pète la gueule. Hors caméra, d'ailleurs. Est-ce que je peux réussir à lui foutre de la lenteur? Voilà, je lui mets de la lenteur. Non, pour le moment, je lui ai enlevé son boost seulement. Maintenant, je vais essayer de lui mettre de la lenteur. Pour voir si ça marche. Ça marche. Ok. Vanille debout. On attaque. Il est en choc. Parfait. Soigne un peu, Vanille, et on passe en assaut. Et on essaye de le pourrir. Le but, c'est vraiment qu'il passe pas du tout en protection, parce que sinon, le choc sera niqué. Bourrinez, putain! Bourrinez-le quand il est en l'air! C'est quand même pas compliqué! Voilà! Je suis obligé de cancel tous mes trucs, alors que c'est clairement facile de le maintenir en l'air avec des assauts magiques, là, au bon moment. Voilà! Parfait, ça! Maintenez-le en l'air! Et on essaie de lui vider un max de vie. Putain, il est tellement tanky, ce connard! Et voilà. Et on se re-soigne. Ah, on se re-soigne vraiment vénère. Toi, je te provoque. Soignez, soignez. Parce que là, je le provoque quand même. Soignez, soignez. Ok, soigne un petit peu. Ah, il a plus... il a plus toute sa lenteur, là. Voilà, là, il a sa lenteur. Et il va pouvoir prendre cher. Allez, viens te battre. Faut pas rire avec ses attaques. Est-ce que je passerai pas en double healer? Non, c'est bon. Là. T'as lenteur aussi, Hope? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Là, il attaque lentement. On peut réussir peut-être à faire quelque chose de notre vie. Le combo aérien, il fait tellement mal. Soigne, 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 soigne. Allez, allez, il faut le lenteurer. Faut que j'arrive à lui mettre lenteur. Tu peux soigner, hein, gamine. Ouais. Très bien. Parce que là, s'il fait lueur divine, je suis pas sûr que je survive, moi. J'ai l'impression qu'on va bientôt le savoir d'ailleurs. Est-ce que j'ai perdu? Non, c'est bon. Parce qu'au final, je suis quand même tanké. Ok, il s'est guéri. Faut que je le maintienne en lenteur parce que sinon il va me péter la gueule. Tant qu'il est en lenteur, ça passe. Allez, lenteur, 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 lenteur. Sa barre de choc continue à monter. Ah putain, il faudrait que ça lentisse là. Ça ne lentit pas assez. Voilà, ça lentit. Ça est lentil, lol. Allez,
Tu soignes, gamine, non frappe. Voilà, il fait ça. Soin 2, direct, bim, pas mal. Quand il est lent, les mecs arrivent à suivre. Ah, putain. Mais hop, t'attaques des fois. Putain. Est-ce que tu vas réussir à faire vie? Oui, elle a fait vie. Alléluia. Ah merde, il est déjà lent maintenant. Allez, 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 allez. On le bourre, il est en protection. Soin, soin, soin. Soigne-moi maintenant, gamine. Tu peux le faire. Parfait. Attention, il va nous faire une lueur divine. On est prêt. On est prêt à switch. Non, il... Ouais, il fait une lueur divine. Hop, provocation, provocation, garde vitale. Très bien. On se met en créativité. On va le l'enterrer. Voilà. Il se met direct ses altérations d'état. Ah putain, je vais pas faire retirer son chrono. Vite, 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 vite. Retire le chrono. Voilà, le chrono est retiré. Maintenant, on va essayer de lenteur. Continue à frapper, hop, hein, n'hésite pas. Bon, je sais que la vanille, elle soigne dans le vide, mais... Faut vraiment que j'arrive à lui mettre la lenteur avant qu'il ouvre sa... Voilà, parfait. Là, il a ouvert son truc. C'est pas grave, on va essayer de le bourrer un petit peu. Et là, on se met en polyvalence. Soigne-le, 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 soigne-le. Oui, oui. Attention, il va faire le combo. Non, il peut pas enchaîner, parce qu'il n'est pas assez rapide. Très bien. Du coup, là... Allez, soignez. Soignez, les enfants. Là, il est presque en choc. Très bien. On y va, on y va, on y va. On le laisse pas le temps de revenir. On essaye de faire en sorte que ce choc soit son dernier. On essaye de le maintenir en l'air. Voilà, les attaques magiques, c'est très bien pour maintenir en l'air. Bien joué. Pas. On enchaîne. On a un bon timing, on a un bon timing. Essayez de pas le casser. Très bien. Là, je pense qu'on peut le terminer là-dessus. Oui. On t'a niqué, salaud. Bim. Fils de pute. 2 heures pour te niquer, mais... 4 étoiles. Nouveau stade d'évolution atteint. Vous avez passé une heure à m'entendre dire les... répéter les trois mêmes trucs en boucle, quoi. Pas le mec, on t'a niqué, c'est tout. Il aurait pas pu se transformer en cristal dès qu'il avait fini sa tâche, comme tout le monde. What? Did he complete his focus? Bah oui, dès le début, il l'a dit. I don't think so. Mais si. All Reigns did was try to save Cocoon in his own way. Oh, il fait le jeu du rond. Hey, where are you? Snow? I think Reigns was searching. Searching for a way to make us understand. To understand the frustration of being a Lassie. A Lassie bound to a focus. And maybe what it meant to be human. Oui, c'est évaporé. Eh ben, c'était pas un combat évident. Bon, on est reparti pour bâcher des petits monstres. Où est-ce qu'on sort de cet endroit? Point de sauvegarde. Oh, on n'est pas encore à la fin de l'épisode. Attendez, fille, je sauvegarde. Les filles. Les gens. Mes loulous.
Baston, là. Je viens de détruire un LC qui était complètement pété. C'est pas des circuits troncs qui vont me faire peur. Allez, on les pète. Est-ce que si jamais on perd ce combat, on doit se retaper le boss? Je propose que nous n'essayons pas de le découvrir. C'est moi qui finis. C'est tout? Faisons un coup de Crystarium, tiens. Vu qu'on a 6000 trucs là. Nouveau stade d'évolution atteint. Alors, attaquant. Je veux devenir plus attaquante. La force. Putain, ça coûte tellement cher maintenant. Je veux devenir plus soigneur. Paf. Est-ce qu'il y a vie quelque part pour moi? Attends, on peut encore avoir accessoire. Ah, il y a vie là. Wouah. Faut que j'aille, je rush cet endroit, mais alors rush à cette vitesse, ça va pas être GG. Le soin. Ping. Oh, j'ai un segment ATB. PV plus 100, bah allez-y. Ok, bon, donc là c'est transformer. Voulez-vous transformer Vanille en un tank? Oui. Défenseur. Ping. PV plus 100. Saz, est-ce que... Voulez-vous que ça se devienne utile? Oh non. M'en bats les couilles. Lightning. Voulez-vous que Lightning soit... ait de la force? Ben, ça va coûter cher maintenant. J'imagine qu'on va rencontrer des monstres ultra pétés. Putain, je savais pas où j'étais. Je croyais que j'étais haut. Pardon. Est-ce que c'est encore infini ici ou est-ce qu'on va bientôt sortir de cette zone et que c'est pour ça qu'il y avait un boss? Ah, il y a encore plein de monstres. Là, on va où ici? Ils se battent? Bah allons les aider. Ah oui, ils sont en train de se battre contre un robot de Pulse. Et bam, état de choc direct. Toujours les mêmes merdes qu'avant ces trucs là. Ou ils sont devenus plus balèzes. Pourquoi je me suis placé au plein milieu de la mêlée? Allez, on détruit le chevalier de Pulse. Parce que c'est lui le plus balèze. Voilà. Maintenant les vases phosphoriques, normalement, c'est du gâteau. Oh non, ils m'ont empoisonné. Non. Alors, ici. Hop. Alors, c'est loin d'être fini cette zone, j'ai l'impression. Il doit y avoir un truc à récupérer là-bas, mais j'ai vraiment pas envie. Ça se bat encore ici. Et vous allez pas tous me taper dessus, j'espère. Moi, je veux bien vous aider contre les chevaliers de Pulse. Non mais pas moi! Pourquoi vous me tapez sur moi? Ah bah là je vais prendre tarif hein. Si tout le monde est contre moi. Soignez, soignez, soignez! Fauchage! Soignez! Soigne-nous, Vanille! Ou au pire, ne nous soigne pas, comme ça on peut recommencer le combat quoi, mais bon, dis-le. Tu peux nous soigner, gamine? Merde, il y a les deux tas de morphes qui sont transformés en méga tas de morphes. Voilà.
Bon, donc on reprend ce combat. Écoutez, c'est pas parce que je viens de détruire un mec, un élu des dieux devenu super puissant que c'est très facile de tuer des tas de morts. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Bon, du coup, on est d'accord qu'ils viennent pas direct sur moi. Mais si, ils viennent direct sur moi, mais what the fuck? Bon, on va essayer de buter les tas de morts avant qu'ils ne... se transforment en un seul. Voilà. Comme ça, ça sera plus simple, parce qu'au moins les chevaliers, ils peuvent pas s'assembler. Allez, paf, paf, paf. On essaie de les mettre en choc. On a vanni sur le soin. Tac, tac, tac. Je fais 0 dégâts. Pourquoi je fais aussi peu de dégâts? C'est quoi le délire? Ils sont hyper résistants ou... Ou j'ai perdu 10 000 niveaux sans faire exprès? Allez, on fait des switches de stratégie comme si on était en mode gros tryhard. Pour buter ce truc qui maintenant est tout seul. Donc ça devrait pas quand même être trop compliqué. Mais on n'arrête pas de switcher stratégie quand même. Il est en choc pile au moment où je switch. Oh là. Il a pas fait long feu. Allez, dès qu'on trouve un point de sauvegarde, on arrête les enfants, ne vous inquiétez pas. Et il y en a un juste là. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce 19e épisode de la saison 3 de Démon Passé Rattrapage sur Final Fantasy XIII. On a affronté un bon gros boss là. Assez content de l'avoir battu, ça nous a pris du temps, mais il est battu, il est battu, il est battu, hein. Il va pas revenir. Allez, merci à tous et à la semaine prochaine pour l'épisode 20. Tchuss!